De retour dans une vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un petit haul, un tout petit haul, notamment une commande que j'ai passée chez ELF. Et puis on va faire un peu blablatage. Hein. J'ai commandé chez ELF 4 produits. Alors j'ai repassé une commande ensuite où j'ai vraiment fait une énorme commande. Je devrais la recevoir d'ailleurs la semaine prochaine et je vous ferai une petite vidéo dessus. Donc on va commencer par ce blush, Bake Blush, qui est la teinte, c'est un blush marbré, qui est la teinte Peachy Cheeky. La vache, oh, les dents. Par contre, c'est moyen l'ouverture. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Un blush, je dirais plutôt un highlight, hein, parce qu'un blush, je vois pas comment on peut voir quelque chose avec ça. C'est irisé, donc c'est plutôt un. Un highlight, mais il est plutôt pas mal. Alors après à tester. Voilà pour ça. Ensuite j'ai trouvé le Smudge Pot. Alors j'en ai entendu que du bien. Et moi j'ai pris la couleur Crazy Chic. Crazy Chic. Donc c'est un petit pot fard crème. Il fait apparemment eyeliner, ombre et liner, le tout en un. Un smudge pot. Donc, il se présente comme ceci. C'est un petit marron. Marron irisé. Très joli. Je fais un swatch. Je sais pas si. Là, ici. Vraiment très joli. Ouais, il est pas mal. Hein. Il s'applique bien. Ils font bien, il est facile d'application, c'est très joli. Donc je sens que je vais l'aimer ce produit. Celui-là, je sais pas où j'ai foutu l'emballage, mais c'est un produit que je prends depuis très longtemps. Je crois que ça fait le 4e boîtier. Et c'est un Golden Bronzer. Donc pour celles qui ont pu visionner quelques vidéos, notamment sur le teint, je sais que je l'utilise pas mal. Et je le trouve vraiment génial. Donc il se compose de 4 blushs, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc on va faire un swatch, un rose, un pailleté marron, bah, doré je dirais, un taupe et un blanc. J'adore ce produit parce que c'est vrai que le rose je vais l'appliquer en highlight et puis le blanc sur l'aile du nez, le front, au-dessus de lèvres et parfois je l'applique également en highlight. Vous pouvez en appliquer en coin interne ainsi que sous le sourcil, mais c'est franchement génial comme produit, moi je l'adore. Ensuite, j'ai acheté 4 produits. Je vous referai une autre vidéo pour les suivants qui arriveront probablement la semaine prochaine. Celui-ci, ah bah oui, si je vous montrerai. Donc il est arrivé comme ça, dans cet emballage-là. C'est donc un correcteur haute définition. C'est la gamme Studio Lighting Concealer et la teinte c'est Brightening. Brightening. Donc il se présente comme ceci. J'ai pas pu m'empêcher de le tester celui-là. J'ai pas testé les autres produits, mais celui-là parce que j'étais impatiente de le tester et j'ai dit mais il est top celui-là. Donc en fait, il y a des sous-tons jaunes. Et quand je l'ai appliqué là, sous l'œil, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir de ce que je peux posséder. Ou alors c'est trop blanc, ou alors trop foncé, trop orangé, trop pas bien, quoi. C'est une expression qui revient, celle-ci. Mais celui-ci, j'ai trouvé qu'il était lumineux, franchement génial. Donc j'en ai recommandé 2 autres pour être sûre que je ne sois pas en rupture de stock. Parce que j'ai enfin trouvé un idéal de correcteur quoi, j'en ai au moins une quinzaine. Je suis toujours obligée de moduler entre eux parce que c'est vrai qu'il y a des fois votre peau elle est à
un peu mieux que d'autres jours. Et il y a des fois, ça file dans les plis, des fois ça va. Donc je trouve pas mon bonheur et là pour le moment je l'ai trouvé. Donc je suis vraiment super contente et à un tout petit prix. Alors comme c'est la gamme studio, il me semble que ça doit être aux alentours de 4 euros. Donc voilà pour ma voiture. Voilà pour ma commande ELF. Et puis, que vous dire d'autre? Bah écoutez, chez nous il fait pas beau, il pleut, ça pleuviote. J'ai également passé une commande chez AliExpress, une grosse commande, notamment de vêtements et de chaussures. J'ai dû prendre un maquillage, juste pour tester. Je sais qu'après, je pense pas que je continuerai à tester le maquillage, parce que c'est vrai que ça a créé quelques polémiques. Ça va, c'était pas en grand nombre. Mais je ne veux pas en posséder de trop parce que je ne veux pas les utiliser tous les jours. Donc je veux continuer à utiliser mes vraies palettes, les autres. Et puis de temps en temps, pouf, je change pour les couleurs, pour avoir un peu de nouveau. Donc j'ai commandé cette palette-là et je me suis commandé une perche télescopique pour mon caméscope. Parce que c'est vrai que quand j'ai des prises de vue comme ça ici, bon je suis assise donc mon caméscope est sur son trépied donc tout va bien. Après quand je me balade, bon je peux avoir la tremblante. Donc, et puis si je veux faire des vlogs et puis qu'on puisse me voir, au moins ça sera beaucoup plus malléable et plus pratique pour moi quoi. Donc j'ai commandé ça. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé 3 paires de chaussures. Alors... Donc mes baskets compensées, je me suis pris une autre paire de baskets, celle-là je les trouvais trop belles, c'est des baskets denim avec du camel, il y a des petits détails que moi j'adore parce que bon on n'en trouve pas partout. Et je me suis dégoûtée une paire de chaussures, mais alors celle-ci quand je l'ai vue j'ai fait, oh j'ai dit toi tu vas venir avec moi. Et en fait c'est des baskets, mais à talons, denim en jean, elles sont assez fines et puis le talon doit être haut comme ça, mais je les ai trouvées trop canon, quoi. J'ai dit oh là là là, c'est des chaussures qu'on ne trouve pas partout. Moi je sais que j'aime bien avoir des choses qu'on ne retrouve pas partout, parce que j'aime bien personnaliser, parce que j'aime pas que ce soit trop classique, ou alors une tenue classique, je vais apporter une petite touche qui va changer, qui va rehausser, qui va redonner une touche de modernité. Et donc celle-ci, quand je les ai vues, j'ai fait oh là là, mais elles sont pas encore parties, donc je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Je vais les recevoir au mois de décembre, je pense. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ça serait bien que mon PC soit allumé. Donc une blouse comme ceci, que j'ai eu au tarif de 3,11$. Ensuite celle-ci. Si je fais un zoom dessus, voilà, là un côté, vous voyez comme elle est super originale, 6,11€. J'ai pris également cette chemise là à rayures rose. Qui donne comme ceci et qui est à 11,90$. L'écharpe pour 4,34€. Une écharpe Burberry à 6,71€. J'ai trouvé aussi ce petit blazer que j'ai trouvé assez sympathique. Voilà, il est noir. On retrouve des fermetures éclair là sur le côté. Et puis le bas des manches sont en simili-cuir, donc j'ai trouvé ça assez original. Elle est à 20,49$, mais c'est l'une des moins chères, parce que tout de suite ça montait à 30-40$, je me suis dit niet. Donc là j'ai pris en L, puisque j'ai regardé dans les tailles beaucoup plus bas, et puis je m'en suis référée justement à ce qui me convenait le plus. Donc celle-ci, qui est rouge, mais moi je l'ai pris toujours en noir, avec cet esprit fermeture éclair, comme ça. Elle est cintrée et puis ben, j'aime beaucoup. Elle existe en jaune, en rouge, blanc aussi j'ai déjà vu, moi je l'ai eu. Pour 8,47€. Donc là voici, elles sont comme ceci. Elles ont l'air plutôt sympas.
32-13, moi j'ai pris en 8, en 39 j'ai des grands pieds moi. Donc voilà. J'ai également trouvé ces chaussures-là, c'est celles-ci, donc je raffole, j'espère qu'elles sont aussi belles que je les vois comme ça en photo. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Donc le bout pointu, talon aiguille, hein. Ça va pas trop haut non plus. Ah, lacets avec des petits clous. Oh, mais mon Dieu, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Voilà. Et au prix de 41,39. Alors, vous allez me dire, oh, ben, dis donc, c'est cher. Oui, mais c'est les moins chers que j'ai trouvé. Parce que tout de suite, ça monte à 60, 70 euros. Et ça se trouve que c'est une copie de quelque chose, je ne sais pas. Donc, on verra bien. Je me suis pris ensuite une chemise en jean délavée que j'ai eue pour 13,65 $. Ensuite, les pulls. Donc, j'ai pris un gris et un blanc pour 12,04 $. Et puis, il existe en plusieurs couleurs. Il existait rose. Moi, j'ai pris blanc et gris. J'ai trouvé également un petit blouson en simili-cuir. Lorsque je suis tombée sur cette page, je me suis frotté les yeux parce que j'y croyais pas trop, quoi. Parce qu'en fait, il existe en noir, rose fuchsia et bleu. J'ai pas voulu trop m'aventurer en prenant le rose parce que c'est vrai qu'à un moment j'ai quand même hésité entre la bleue et la rose. Et je me suis dit, prends bon la bleue et puis on verra bien. Parce qu'en fait, c'est des vestes qui sont à 30-40 euros. Et moi, celle-ci, je l'ai eue à 3,66 $. Alors, moins 90% de remise. Alors, je me suis demandé si en fait le vendeur peut-être qu'il s'était trompé il avait fait une erreur de frappe parce qu'elle était à 36 ou 37. Généralement, ils vont faire des petites remises du genre 10%. Oui, généralement, c'est à peu près ça. Et là, j'ai eu 90%. Donc, du coup, j'ai sauté dessus. Je me suis dit des fois qu'ils se rendraient compte. Et puis. Donc là, elle a l'air super jolie. Je vais vous montrer en rose ce que ça donne. Portée. Elle est belle aussi. La noire, bon, ben, elle est comme ceci. Mais moi, j'ai déjà une veste noire. Donc, je voyais pas l'intérêt d'en prendre une. Et puis, ben, je crois que c'est tout. Globalement, je pense que ces articles que je vais recevoir vont me plaire. J'espère, hein. Les chaussures, je les attends vraiment avec impatience. Donc, pour AliExpress, j'ai aussi passé une commande sur Amazon, oui, pour commander des ampoules du jour. Vous avez été quelques-unes à me dire, oui, c'est bien ton éclairage, c'est beaucoup mieux, donc je suis hyper contente. C'est vrai que les ampoules du jour, c'est pas donné, c'est assez cher, hein, une ampoule, c'est pas loin de 10 euros, donc du coup, moi, j'ai trouvé un lot d'ampoules pour 15 euros. Faut faire attention à ce que ça soit réellement des ampoules du jour, hein, des lights ou ampoules du jour. Et puis, bon, vérifier les culots et voir aussi l'ampérage, les watts, etc. Voir si ça convient que vous recherchez. Donc voilà, et puis qu'est-ce que j'ai commandé? Je me suis recommandé un petit rangement encore de rouge à lèvres parce que celui-ci était à 3-4 euros et il y a 24 rangements. Ouais, un petit rangement acrylique, et puis du coup, je lui dis bon, et puis bon, bah, je trouverai bien autre chose à mettre dedans, de toute façon, avec tout ce que j'ai comme bordel en maquillage. Voilà, je me suis pris un baume à lèvres, vous savez, en forme d'œuf aussi, qui vient des États-Unis, que j'ai eu à 2 $ quelque chose. Je me suis pris encore un kit de pinceaux, encore, parce que c'est vrai que les pinceaux. Je suis contente, mais il y a toujours quelque chose qui fait que bon, ça pourrait être mieux. Alors, ça, c'est bête comme chou, mais bon. Donc, je me suis recommandé un kit de pinceaux parce que je voulais des pinceaux vraiment bien pour mon contour de l'œil, pour le teint, concealer, correcteur, etc. Donc, du coup, bah, j'en ai recommandé d'autres et puis ça me permettra de changer avec les autres. Puis, parce que bon, je nettoie mes pinceaux quand même une fois par semaine. Je devrais recevoir ça la semaine prochaine. Bon, eh bien écoutez, je crois que j'en ai fini avec ces blablas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais revenir bientôt parce que j'ai l'intention de faire un giveaway, un concours. Parce que je suis arrivée à pas loin de 250 abonnés. Je cherchais le mot, c'est dur, hein.
Et je suis vraiment super contente que, bah, au bout de 2 mois déjà, des abonnés me suivent, m'encouragent, ça me permet de continuer. Donc pour remercier mes abonnés, je ferai un concours. Très prochainement, j'ai encore rien acheté, j'ai encore rien préparé. Donc bah, si c'est au mois de décembre, ce sera au mois de décembre. Peut-être que ce sera au mois de décembre parce que ça permettra d'avoir des cadeaux de Noël en même temps. Enfin, je sais pas, quelque chose de plus. Je sais pas, il faut que je monte ça. Et puis, parce que je m'étais dit au départ, je ferai une vidéo pour. Ben, je ferai un concours pour mes 500 invités. Alors, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que je vois que ça monte assez vite quand même, quoi. Mais je suis super contente. Voilà. Merci à vous toutes. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis ciao et à bientôt.